Bon, ça va, il est content, il n'a pas perdu son matériel, surtout son aigle et son terreur. Ah, ça aurait été ballot, hein, purée, né. Mort de froid, né. Attends, Accent, faut que tu sois sûr. On s'équipe, on prend Broto et on fait B. Prends plutôt Ptera, moins dangereux. Pourquoi faire? Ce cible, ça rappelle l'armée. Ils fournissaient pas les slips, pas au Bob, l'armée. Non, moi, ils m'avaient fourni le treillis et puis le... Si, ah bon? Ah non, pas moi. Hein. T'as été où, toi, au Bob? T'as été en Guadeloupe Le para... Ah, le para, pas le ptera, d'accord, ok. Les slips kangourous, c'est pour faire l'armée en Australie, ça. Mourmelon. Ah ouais, t'as été à Mourmelon. Bah ouais, moi j'ai fait les manœuvres, mais j'étais à Beach, moi. C'est le treillis et puis le short blanc. À 6h le matin, aller faire son jogging. Complètement malade, les mecs, là. En hiver, en plus. Short blanc, t-shirt bleu et jogging bleu. Oh là là, le jogging, des laisse tomber. Des... Oh, oh, les handicapés mentaux, des... Je t'assure, hein. Avec tes tennis blanches, t'es des vrais handicapés. L'armée française, laisse tomber. Oh, purée. Ouais, c'est ça, hein, moins 2 degrés. Bah, surtout à la frontière allemande au mois de décembre, laisse tomber. Hein. À Fréjus, bah, ça va. J'étais à Carpiane, tu dois connaître, papillon Carpiane. J'ai fait mon permis AMX-30 là-bas. Pour apprendre à conduire l'AMX-30, le char. Ouais, à Carpiane, au-dessus de Cassis, ça. Tu me parles de Fréjus, donc tu dois connaître, papillon. Ah, les nuits dehors, j'ai fait mes classes, j'étais de la 85-12. Ah, j'ai fait mes classes au mois de décembre, laisse tomber. Ah, j'ai pleuré ma maman, là-bas. Hein. Purée, pour ça, moi, l'armée, no comment. Hein. Tu connais, hein, papillon? Bah, j'étais là-bas. 93-2, ah, d'accord. Eh ouais, laisse tomber, des. Allez, on va attaquer, parce que Accent a dit, vous pensez à moi, là, mon bronto. C'est parti. Salut à tous et à toutes, donc bienvenue donc, pour un nouvel épisode de Accent qui s'éclate sur Ark Survival. Il est 21h06, nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Et c'est parti, donc 2 minutes 20, on va mettre, allez, hop. Je te mets 4 minutes d'introduction, va. Comme ça, on parlera de l'armée sur ton épisode, Accent. Alexa, tu mets une alarme dans 18 minutes. 18 minutes à partir de maintenant. Alexa, tu mets une alarme dans 20 minutes. Deuxième minuteur, 20 minutes à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, tu m'as dit qu'on s'équipe et après on prend le parasol et on va faire des baies. Allez, hop, on s'équipe. Donc là, l'armoire équipement, c'est génial, vous voyez. Je mets sur survivant et je fais ça, 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 ça et ça. Et l'équiper, on peut y aller. Ça, c'est bon, ça. Lanceur de roquettes anti-char. Ah, bah d'accord. On n'aurait pas pu faire équipe tous les deux. Ce serait charqué, papillon. Parasor, le parasor, il est où ton parasor? Il est là. Ok. T'as fait la journée d'appel? Moi, j'en ai fait deux, moi. J'étais au château de Vincennes, moi. Fermé 3 jours. Enfin, 3 jours, c'est une journée et demie, on va dire. Une fois à 16 ans, parce que je m'étais engagé, ils m'ont refoulé, trop jeune. Et une fois que j'ai rien demandé, mes 18 ans, ils m'ont envoyé à Beach. Et comme j'avais demandé l'outre-mer, j'ai dit, waouh, Beach, Beach, super. Donc je regardais dans l'Océanie, je regardais toutes les îles qui appartenaient à la France, tu vois. Nouméa, etc. Beach, Beach. Puis on m'a dit, non, c'est à la frontière allemande. J'ai dit, tais-toi, toi, vas-y, va, rentre chez toi, va te coucher. Et bah oui, c'était à la frontière allemande. Oh la vache. Oh les bourricots, des... Comment ils peuvent s'approprier un moment de ta vie pour faire de toi ce qu'ils veulent. Franchement. C'est vraiment... dictatorial, moi, je dis. Quand on oblige les gens à faire quelque chose qu'on veut pas, c'est de la dictature. Forêt noire, ça me dit quelque chose, la forêt noire, ça, c'est en Alsace, ça, non? Oui, Allemagne.
Hein, Allemagne, ouais, ça me dit quelque chose, la forêt noire. Oui, on en a entendu parler, ouais. Stop baie, ok. Ok, on y va. On met baie dans mangeoire, on y va. Hein. J'essaye de te suivre, exemple, parce que là, on est dans l'armée. Voilà. Avec des personnes de mon âge qui l'ont fait aussi, donc c'est rare que je discute de ça. Hein. Non, c'est beach, pas biche, beach. B-I-T-C-H-E. Beach, frontière allemande. Tiens, je te prends l'œuf, c'est le tien, Alexandre. Un œuf de steak. Un œuf de steak. Oh là là. Ah ouais, attends, faut peut-être que je prenne les baies dans le. Alors, t'en mets combien dedans? Ouais, biche ou ma biche. Non, c'est bitch ou ma biche. Il paraît que c'est un gros mot en plus en de l'anglais. Beach. Il paraît. Là, je te mets tout ça, tu me dis hein, si on a assez, si on a pas assez. Il y en a trop. Hein. Voilà, on a mis les baies. Ensuite. Hein. Ouais, c'est ça, tu confirmes, papillon. On prend le rex et on tue animaux pour viande. Pas de problème. Hein. Voilà, là, t'es tranquille. Ok, on va prendre le rex. Allez, on se tape le bronto, là. Est-ce qu'on se tape le bronto? Je préfère te demander parce que... Ouais. Okay. Allez. Allez, des petits coups de 293 dans Sachetron. Tu vas faire de l'ankylo aussi parce que j'ai tapé de l'ankylo. Là, t'as tous les ankylos qui viennent. Là. Donc obligé de les affronter. Hein. Là, tu vas en avoir de la viande. Hein. Voilà, et il y en a encore un dernier derrière. Voilà. Voilà, je pense que ça va te suffire, ça. Non, ça va. Non, non, bah non, un T-Rex, ça confirme vite fait. Je te mets combien de viande dans la mangeoire? Ouais, mais on met viande dans la mangeoire, je vais pas pouvoir tout prendre, t'en as plein. Hein. Bon, je t'en prends un peu. Hein. Je te prends les 1, 2, 3, 4, 5 slots. Allez, 5 slots de viande. Tout! Alors, je te prends tout, si je peux. Ouais, c'est bon. Allez, on met toute la viande dans la mangeoire. De quoi deux? Tropéo? Ah ouais? Ah, c'est bizarre sur The Island, ouais. C'est des petits niveaux, c'est bien, tu fais le ménage. Ouais, là, c'est... On fait un petit coup de ménage. Voilà, je t'ai mis toute la viande, les baies, j'en ai mis un peu. Toi, ça va vite, là, hein. Tu te sers de tes animaux, là, pour faire, voilà, le remplissage. Maintenant, il faut que ça soit un petit peu plus... La peau et la kératine. Allez, on va manger la peau et la kératine. Je crois que tu as une armoire spéciale. Ouais. Ok. Là, c'est bon. On met longue vue et œuf dans steg. Dans armoire échange. Ok. Armoire, hein. Ah, ça, c'est les 100 bois parce que on m'avait dit, ouais, tu devrais faire réclamation parce qu'il te manque 69 bois ou 61 bois. Donc, j'ai pas fait attention. Hein. Franchement, j'ai pas fait attention. Donc, je t'en ai mis 100. Voilà. Je t'ai remis 100 bois. C'était ce que tu avais gagné, les 10 slots de bois. Hein. Le petit Fiomia 14. Et alors, on dirait que t'es pas content. J'ai pris le premier venu, moi. Hein. Voilà, ça aurait pu être un niveau comme pour Baobab ou Baobab. J'ai pris le premier, bah c'était un voilà un niveau un gros niveau. Hein. Voilà, comme j'aime, il est à toi. Ouais, j'ai appelé comme j'aime. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, niveau 14. Ah, c'est un bon. Hein. Après, il peut s'en servir pour faire les excréments, hein, pour faire le machin. Hein. On le rapproche de la maison. Allez, on rapproche de la maison.
Voilà. Tout mimi là. Il est au régime tout à fait, c'est pour ça que j'ai mis comme j'aime. Ils nous ont assez bassinés avec leur publicité hier. Ouais. Première semaine gratuite, la deuxième semaine c'est 150 euros pour deux repas. On peut faire la première semaine gratuite. Hein. On met ses niveaux en vitesse énergie. Alors, ouais, 43 niveaux. Attends, t'as vu ton niveau 14 ouais. Vitesse en premier, tu m'as dit. Alors, vitesse, je lui mets 20 et 22 niveaux. Il en restera 21. Mais... Ouais, l'arnaque, tu m'étonnes, ouais. On met le reste en énergie. Ah oui, là. Regarde ton petit niveau, là. Il est arrivé au niveau 57. Il a 1116 d'énergie et 164% de vitesse. On le met à côté du Listro. J'ai pas de sel, hein. Il est où, le Listro? Allez, hop. Voilà, elle est à côté du Listro. On caresse le Listro. Ok, on caresse le Listro. Voilà, il est impacté. Là, la petite flèche, ton fiofio. Il n'y a que lui qui a la flèche. Tu as perdu combien? 500 balles. On lui met son niveau acquis à Olistro. Vu le prix, avec comme j'aime, t'es vite au régime, vu que tu peux plus rien. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, bon, Bob. 18 niveaux. Mais non, il n'a pas de niveau, Alexandre. Le niveau, la flèche jaune, elle doit être dans le carré que tu vois au milieu. Et la petite flèche jaune là-haut, ça veut dire qu'il est impacté par le Listro. Tu vois, le Listro, là, dans son carré, la flèche est jaune. Ça veut dire qu'il a gagné des niveaux. Lui, il n'en a pas dans son carré. Donc, il n'a pas gagné de niveau. Par contre, la flèche qui est au-dessus de lui, au-dessus de la mangeoire, pareil, hein, il a accès à la mangeoire, il a accès au Listro. Voilà. On pousse les chèvres. Hein? On pousse les chèvres et le... Ah, les chèvres, oui, oui, les lumicornes. On pousse les chèvres, alors c'est-à-dire... On pousse les chèvres et le dio. Mais le ptera à côté, tu auras du niveau aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, il y a de la place déjà, il veut les pousser où? Je comprends pas, là. On les pousse, ils sont là, que tu veux que je les pousse comment? Ah bah voilà, on met les chèvres là où il y a les dodos. Alors, hop, les lumicornes. Tiens, t'as un œuf là. Voilà. Je te prends le œuf. Toi, là, ils sont tous impactés par ton Listro. Regarde toutes les flèches qu'il y a. Là, c'est bon. Voilà. Lui aussi. Voilà, ça y est. Et tu veux mettre le dilo aussi? Allez, on y va. Est-ce qu'il va me suivre jusqu'à là, lui? Allez, approche-toi. Est-ce qu'il est impacté, là, non? Non, lui, il n'y est pas, tu vois. Donc, faut qu'il s'approche encore plus. Je vais faire une approche... distance de suivi très proche. Faut pas qu'il me bloque par contre. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Autre option, désactiver le suivi. Voilà. Alors attends, faut pas. Voilà. Ouh là là, pas évident. Donc normalement il est. Voilà, lui aussi. Non? Attends, je vois pas sa tête. Ouais, Dilophosaur, il a la flèche. C'est bon. Alors,
Ah, ça va faire juste hein, ton centre d'usinage, moi je l'aurais mis là. Va faire des dodos de combat, bah peut-être, hein, peut-être tu auras des combats de dodo, je pense que oui, papillon. Poudre étincelle dans frigo. Oh oui, large. 126. T'en as 126. Tiens, je te mets l'œuf de dodo pendant que j'y suis là. Hop. Voilà. Bah. Tu sais plus où. Bah, tu peux arrêter, Alexandre. Tu arrêtes là et puis voilà, on arrête là. Hein. Il est 21h20, donc il n'y a pas de problème. Tu feras un épisode demain et voilà. Hein. Il n'y a pas de souci, Alexandre. Hein. On fait comme ça. On fait des plafonds. Plafond de quoi? En pierre, en bois? Ah ouais, sinon, c'est pas grave. Hein. Pierre ou bois? Et combien? En bois? Combien? Huit. Allez, on fait 8. Alors, il faut du bois. Alors, je ne sais pas où c'est que tu en as là. Est-ce que tu as quelque chose là? Bois, branchage, fibre. Bah, t'as rien de tout ça là. Bois, branchage, fibre. Est-ce que tu as quelque chose là, quelque part là? T'as quoi? Ah, bah voilà. Bingo. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, j'y suis, ouais. 4, 5, 6. Huit, voilà. On a fait tes 8 plafonds. Je te remets le bois dedans, ton branchage, ta fibre. Deux escaliers en bois. Allez, deux escaliers en bois. Tu l'as peut-être pas débloqué tes escaliers en bois. Apparemment non. Non, c'était pas débloqué. Ok. Escalier bois. Bois branchage fibre. Ouh là là. Branchage, je crois qu'il faut aller en chercher. Hein. On va aller chercher du branchage. Hein. On apprend, ça y est, c'est appris. Alors, là-bas. Un et deux, voilà. Tu as tes deux escaliers. On va placer escalier, ouais, mais où? Faut que tu me dises où est-ce qu'on les met. À côté des caisses d'échange. C'est-à-dire, je comprends pas là. Je les mets en haut, au milieu, en bas. Qu'est-ce que je fais? Pour monter à côté de la porte. C'est-à-dire, je le mets sur le toit là-haut, je le mets au milieu, je le mets en bas là. Tu me dis en bas, milieu ou en haut. Hein.
extérieur. À côté de la porte. En haut, voilà. C'est ça. C'est ça, voilà. En haut et après. À côté de la porte d'entrée. Bah voilà, la porte d'entrée, elle est... Bah c'est pas à côté des caisses d'échange. À côté de la porte d'entrée. Voilà. Côté droit, côté gauche. En haut, comme ça. Là, comme ça. Droit, d'accord. Donc un comme ça. Et un comme ça. Oui. Là, c'est bon. Ah, c'est pas évident. Hein. Tu m'as dit caisse d'échange pour ça. Alexa, stop. Donc là, t'es dans la transition 2 minutes. Hein. On place les plafonds, d'accord, ok. Ça marche. Plafond. T'en as fait 8, je crois qu'il t'en faut 9, hein, non? Oh non, même plus que ça, t'en faut 12. Oh là. Même plus. 6, 3, 6, 7. Il t'en faut encore 7. Enfin, si tu veux tout faire, après, c'est peut-être pour mettre le centre d'usinage là-haut, je sais pas. Tu m'as dit 8, hein, donc là, je t'ai placé les 8. On refait un plafond. Alors, un plafond. Du bois. Oh, du bois, t'en as à l'intérieur, de toute façon. Voilà. Ok, je te range le bois. Le branchage, la fibre. Ça. On met... On refait un plafond. Je pense qu'on le met là-haut, non? C'est ça? On le met là peut-être, non? Tu me dis? Oui, ok, ça marche. Voilà, c'est fait. C'est bien là, t'as vu sur la mer en haut là. Pitch up. Pitch. Et on fait le centre d'usinage. Tu peux faire le centre d'usinage? Alors, le centre d'usinage, ça se fait dans l'atelier. Tu l'as débloqué. Il te manque 50 poudres d'étincelles. Je ne sais pas si tu veux les avoir. Non. Il te faut 50 poudres d'étincelles. Alexa, stop. Donc, merci d'avoir suivi l'épisode de Haxand, hein, qui va nous faire un petit centre d'usinage, là, super sympa. Et il vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao, bye bye.